Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Markian Teritiatko et c'est une émission spéciale qui s'appelle Noël ukrainien par Katumatou. Qu'est-ce que ça veut dire Katumatou? Peut-être certains de vous connaissent. C'est un personnage sympa et qui est créé par une Parisienne d'origine ukrainienne, Olena Yashchuk-Kode. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Olena par rapport à cette création. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'elle a créé les cartes postales dédiées au sujet du Noël ukrainien. Cette émission sera animée par notre membre de l'association Lyon-Ukraine, par Jean-François Beau. Oui. Très bien. Voilà, on est tous là maintenant. On est tous là, donc je vous présente Jean-François Beau, qui va animer cette émission. Et tout en haut, nous avons notre Olena Yashchuk-Kode, donc la créatrice de Katumatou. Voilà, je vous laisse continuer et moi je vais m'occuper des questions techniques. Jean-François, à toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Markian d'avoir organisé cette petite réunion, et donc nous sommes avec Olena. Donc Olena, bonjour. Oui. D'où venez-vous? Où êtes-vous? Où allez-vous? Alors, au-delà de cette boutade, ouais. D'où venez-vous? Ben, Markian nous a dit que vous étiez d'origine ukrainienne. Tout à fait. Et donc, voilà, vous êtes née là-bas ou vous... Non, tout à fait, je suis kiévienne, qui habite à Paris depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, il faut dire plutôt Kyiv, mais en France encore, on dit Kiev. Donc oui, je suis née en Ukraine et à l'âge de 23 ans, j'ai décidé de partir en France, continuer mes études et j'y suis restée. En 20 ans, disons 4 ans, j'ai passé à Londres. Et le personnage de mon chat, en fait, il a déjà plus de 10 ans. Donc, c'est déjà un personnage qui a vécu, d'accord, qui a beaucoup évolué. Ouais. On va revenir sur le chat. D'accord. Mais quel a été c'était les études, le prétexte pour venir en France? Oui, tout à fait. D'accord. Dans quel domaine? En fait, j'étais étudiante à l'Académie Mohyla de Kiev. En ukrainien, c'est Kyivo-Mohylianska Academia. Où j'ai étudié les sciences humaines, donc, c'est-à-dire l'histoire, la culture, des langues. Donc en fait, voilà, les sciences autour des cultures. La France, ouais. Oui, pourquoi la France plutôt qu'un autre pays? Disons que j'ai commencé à l'âge de 18 ans d'apprendre le français, toujours à l'université, avec une vraie Française de Carcassonne. On avait entre notre académie et l'ambassade de France, il y avait une sorte d'accord donc pour apprendre le français. Et c'est vrai que la France est toujours très attirante pour les Ukrainiens. Je pense que c'est un petit peu pays des rêves. Donc, c'est mille ans d'histoire. J'aime beaucoup la langue. C'est plus peut-être la langue. Ah oui. Parce que c'est la beauté de la langue, et puis je voulais voyager, en fait, découvrir le monde. Parce que bon, je suis née encore en Union soviétique, et quand j'étais encore jeune, les frontières étaient complètement fermées, donc c'était impossible de voyager et de voir le monde. Moi, je voulais en fait partir en Europe. Par exemple, il y avait pas mal de monde de chez nous, de mes amis qui pensaient plutôt partir aux États-Unis, parce que on étudiait l'anglais, et l'anglais c'était notre deuxième langue de travail. Et puis, il y avait des possibilités d'avoir des bourses pour aller aux États-Unis, mais ce n'est pas un pays qui m'attire. Et donc, moi, j'ai cherché le moyen d'aller faire les études plutôt dans un pays européen. Mais bon, le choix, c'est entre un pays anglophone ou éventuellement francophone. J'ai essayé d'apprendre l'allemand, mais ça n'a pas marché. D'accord. Pardon, Léna, je reviens juste sur un point. L'Ukraine, aujourd'hui, est un petit peu plus connue en France. Il y a eu la Révolution Orange, il y a eu un certain nombre d'événements, mais enfin, ça reste un pays qui n'est pas dans le haut de la pile de la connaissance des Français. Donc, il y a 20 ans, et comme vous l'avez dit, à l'époque, il y avait encore le mur.
comment pouvait-on, il y a 20 ans, se faire un petit peu connaître et reconnaître comme d'origine ukrainienne ? Bah, disons que ce n'était pas très facile. Mon premier voyage, en fait, date de 1996. Donc, quand j'étais en quatrième année d'études à l'académie, j'ai eu une possibilité de partir en France, à Dunkerque. En fait, je suis partie, à vrai dire, c'était rien à voir avec mes études de base. C'était à l'école de commerce, qui s'appelle Institut supérieur du commerce international à Dunkerque. Et donc, déjà, j'ai bien compris que l'Ukraine était même, dans l'imaginaire des Français, n'était même pas sur la carte du monde. Donc, moi, dès le début, j'ai dû expliquer, en fait, c'est que l'Union soviétique, ce n'est pas la Russie, c'est 15 républiques, hein, donc 15 pays. Et même la Russie, c'est un grand pays qui consiste en plusieurs républiques autonomes, c'est un État fédéral. Et donc, en fait, il ne faut pas confondre soviétique et russe, hein, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, en quelque sorte, depuis ce temps-là, depuis 1996, depuis mon premier voyage, je me sens un petit peu l'ambassadrice de tous les Ukrainiens. Je pense que c'est beaucoup d'Ukrainiens ceux qui veulent effectivement garder leur identité, ils sont obligés chaque fois d'expliquer, quasiment à chaque conversation, expliquer où sommes-nous. C'est-à-dire qu'on est une sorte de, vous savez, terra incognita au plein milieu de l'Europe, hein, une sorte de tache blanche énorme hein, de la taille de la France, au plein milieu d'Europe. Et on était dans l'ombre et c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que ça change, Olena ? Lentement, ça change lentement grâce, voilà, oui, mais un petit peu quand même, grâce à deux révolutions, oui, ça c'est en train de changer. Mais pareil, je constate que bon, en France, il y a des liens forts avec la Russie depuis l'Empire russe, hein, et donc c'est un peu c'est difficile à exister dans l'ombre de la Russie impériale aussi. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Ukrainiens, comme on était un pays plutôt colonisé, oui, entre deux empires, il y a plus de compréhension qu'entre ceux qui étaient dans l'ombre. Hein. Si je m'exprime bien, quoi. C'est ça, mais ça change mon idée, un peu. Voilà. Ça change lentement, mais ça dépend aussi. Voilà. La curiosité des gens. C'est-à-dire que je me rappelle qu'à Paris, par exemple, pendant le Maïdan, il y avait des gens, on dit, les serveurs dans les restaurants qui s'y intéressaient, par exemple. Donc, on se dit, ces gens-là, peut-être. Enfin, vous savez, il y a un certain snobisme des gens qui ont fait les études supérieures, intellectuelles, entre guillemets, qui pensent que bon, voilà, les gens qui sont les serveurs, ils ne s'intéressent à rien, mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a des gens qui s'intéressent, qui suivaient ce qui s'est passé dans mon pays, qui posaient des bonnes questions, qui disaient qu'on vous comprend, par exemple, au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a d'autres qui ont alors déjà des idées tout arrêtées, en fait. Déjà, alors, il y a quand même pas mal d'idées arrêtées sur ce qu'est l'Ukraine. Et ce n'est pas toujours facile de changer d'avis. Ça ne concerne pas uniquement l'Ukraine, mais d'une manière générale, vous savez, il y a des gens qui sont plus curieux et ouverts d'esprit, qui voudront bien apprendre quelque chose de nouveau, ou d'autres qui ne veulent pas. Olena, si on prend la France vue de l'étranger, et si on devait définir 5 cartes, y aurait la Tour Eiffel, les croissants, peut-être Jeanne d'Arc, ou je ne sais trop quoi. Et si on devait avoir 5 cartes comme ça, qui représentent un peu l'Ukraine aujourd'hui, ça serait quoi ? Disons que je suis mal placée pour parler de ce qui est la France aujourd'hui en Ukraine, parce que ça fait 20 ans que je ne vis plus en Ukraine. D'accord. Donc ça veut dire que je peux dire... il y a évidemment l'image de Paris, c'est Paris qui est un peu centrale, qui, c'est vrai, prend tout. Il y a évidemment la cuisine française. Ma question, elle ne porte pas sur les cartes française, mais sur les cartes ukrainiennes, c'est-à-dire, vue de France, l'Ukraine aujourd'hui, si on devait mettre en avant 5 cartes, l'Ukraine. Ça serait quoi, oui ? Ça serait Je pense que la taille du pays, Maïdan, la révolution orange. Je pense que la taille, c'est pas grand monde connaît,
Je pense que Maïdan, c'est quelque chose qui est resté dans les esprits, parce qu'en plus, c'est relativement récent, et la Révolution orange, ça date déjà. Mais c'était le premier événement qui a marqué les esprits, parce qu'en plus, c'est grâce aux médias aussi. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose vraiment de grave, on y parle. Mais dès que ce n'est plus d'actualité ou c'est moins grave, on ne parle plus. Et oui, donc, on passe à autre chose. Donc c'est négatif. C'est vrai que l'Ukraine, c'est Tchernobyl aussi, mmh. Ce qui n'est pas du tout positif. En fait, ouais, enfin. Il en reste trois. Il en reste trois. C'est vrai qu'il faut, peut-être poser les questions plus en français que moi, parce que. Ouais. Les costumes, le tissu, oui, il est possible, les broderies. Mais pareil, broderie, c'est vraiment ouais. les gens qui ont côtoyé les Ukrainiens, qui sont venus par exemple au centre culturel, juste comme ça. Qui peuvent se dire « Ah, ça, c'est la broderie ». Mais sinon, je pense, à part le fait que c'était l'ancienne République soviétique, il y a Tchernobyl, Maïdan, je ne suis pas sûre même qu'ils connaissent bien Borscht comme notre plat national. Parce que, vous savez, il y a même maintenant pourtant, la guerre de Borscht. Pourtant, c'est ouais. tellement bon, les Borscht. Oui, mais en fait, vous savez, vous avez peut-être lu dans la presse anglo-saxonne, enfin, notamment aux États-Unis, New York Times, où, enfin, qu'il y a la guerre entre les Russes et les Ukrainiens pour Borscht, parce que bah, l'Empire emporte toujours, en quelque sorte. C'est-à-dire et que oui. pizza, tout le monde en mange, mais personne ne dit que pizza est américain, par exemple. C'est ça. Ah, oui. Mais c'est la même chose que le Borscht. OK, les Polonais, les Russes, tout le monde mange Borscht, mais ça ne veut pas dire que c'est leur plat national. C'est la même chose pour la cuisine géorgienne, par exemple, qui a été populaire pendant l'époque soviétique, mais personne ne va dire que leur plat, c'est le plat national. Par exemple, les chashlik, on les mange tous, mais on ne dit pas que c'est typiquement ukrainien. Mais c'est pareil, c'est la question du pouvoir, vous savez, de médias. Et c'est que nous, on doit se battre pour notre identité. C'est le petit frère qui est dans l'ombre du grand frère. Et ben, pourtant, le petit frère existe. Déjà, on n'est pas les frères. Déjà, on n'est pas des frères. Non, mais historiquement, ouais. oui. Non, mais on n'est pas des frères. Hein. Non. On ne dit pas les Anglais, les Français, est-ce qu'ils sont des frères hein. Non. Est-ce qu'ils sont le peuple Pourquoi, sur cette planète, il n'y a qu'un peuple frère, c'est les Ukrainiens et les Russes. Personne ne parle en termes de les Allemands et les Français, ce sont des frères, les peuples frères. On ne dit pas ça, non. J'ai jamais entendu dire un Français, ah... Mon frère anglais, mon frère écossais, ou mon frère allemand, ou mon frère américain. Non. Il y a encore beaucoup y a de le clichés. Voisinage. Il y a le voisinage. Il y a beaucoup de clichés à faire tomber. Absolument, parce qu'il y a le voisinage, les frères, personne n'est frère à personne. On n'est pas une famille. Hein. Voilà quoi. Il y a des intérêts nationaux, il y a des gagnants, des perdants dans l'histoire, mais il n'y a pas de peuple frère. Hein. C'est une construction. Enfin. Pourquoi les je sais pas. Et puis les. Mais on évoquait tout à l'heure l'impression que les Français qui ne connaissent pas du tout peuvent avoir, et on voit bien qu'il y a plein de clichés à faire tomber. Alors tout ça c'était le passé. Si maintenant on parle de Olena au présent, et donc aujourd'hui, après ces 20 années, donc 4 années à Londres, ensuite retour en France, oui, tout à fait. Et maintenant à Paris, et que faites-vous? Il y a les chats, bien sûr, mais c'est. Non, mais je suis. Oui, il y a autre chose, forcément. Oui, bon, bien sûr, les chats peuvent occuper toute la vie. Mais depuis 5 ans, je suis co-organisatrice de balades littéraires à Paris. J'ai une collègue qui s'appelle Mariana, qui actuellement habite en Bretagne. Et à deux, ça fait 5 ans qu'on fait. En fait, on l'appelle ça des balades, mais c'est les excursions qu'on organise en ukrainien, pour les Ukrainiens. Et bon, on voudrait faire pour les Français également, mais c'est autour de Paris, la littérature, l'art. Et évidemment, on a aussi une excursion spéciale, en fait, une visite guidée qui est consacrée aux Ukrainiens qui ont habité à Paris. Et il y en a un certain nombre. On s'intéresse vraiment à ceux qui sont liés à l'art et la littérature, mais nos trois ans politiques sont aussi liés à la littérature. C'était les années 20, en fait. Donc, vous connaissez Simone Petlura, Nestor Makhno et Volodymyr Venetchenko. Ils étaient ennemis étant en Ukraine.
s'entendaient pas, en fait, enfin, voire s'est battu les uns contre les autres, mais ils se sont retrouvés à un moment donné à Paris. Et nous, nous étudions en fait cette histoire, les Ukrainiens à Paris. D'accord. Et si tout se passe bien, on pense même écrire quelque chose là-dessus, en fait, parce que c'est un sujet très intéressant. Et donc, actuellement, c'est ma préoccupation principale, en fait, c'est mon travail principal. C'est, en fait... Ce sera un livre, un roman, une page d'histoire? Un livre, non, c'est un livre, oui. En plus, je voudrais faire toutes les illustrations. Donc, en fait, je suis aussi illustratrice. Pour l'instant, j'attends en fait. Cette année, bon, comme c'est, elle était complètement, tout était chamboulé parce qu'on a travaillé déjà sur un livre sur les balades littéraires à Paris, qui doit normalement paraître l'année prochaine en Ukraine. Bon, il faut qu'on reste en contact pour avoir le lien. Mettra les liens éventuellement à la fin pour qu'on puisse retenir ça. Voilà, donc j'ai deux principales occupations, effectivement, c'est mon projet artistique et en fait entrepreneurial et D'accord. Voilà. Alors les chats, pourquoi les chats? J'aime les chats tout simplement, c'est mon animal préféré. Il faut le dire que j'ai pas de chat chez moi. Donc, c'est un peu la sublimation. C'est une drôle d'idée, oui. C'est un chat virtuel. Oui, tout à fait. Mais là, il faut pas vraiment... On s'occupe différemment de chats dessinés que de chats vivants. Mmh. Mais c'est vrai que j'aime pas, par exemple, d'autres animaux, plus particulièrement les chiens. Bon, ils sont sympas, okay. Mais c'est pas mon... Je le ressens pas comme le chat. Est-ce qu'en Ukraine, les chats sont les mêmes qu'en France ou ils sont différents? Ils miaulent différemment? Dans la langue, c'est différent. Donc, ils disent miaou, 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 au lieu de miaou, miaou, enfin miaou. Non, ils miaulent différemment, effectivement, mais les chats, je pense, ils sont pas tous pareils. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites des chats? Ça fait 11 ans. Il est né en 2009. Hein. D'accord. En fait, c'était plus comme une blague. Je sais pas, j'avais une idée un peu vague que je voulais dessiner un chat, mais vous savez, il y a quand même beaucoup de personnages de chats connus. Il y a le chat de Gay-Luc, il y a d'autres chats en fait. Je crois que sur Facebook, c'est un des, il y a plein de sites de chats. Je crois savoir que sur Facebook, en fait, ça fait partie des plus connus. Disons qu'en France, il y a 13 millions de chats et 7 millions de chiens. En fait, je me suis plongée dans cette question. En fait, je m'intéresse à l'histoire culturelle de chat, c'est-à-dire d'où il vient, comment il est représenté dans la culture, notamment à Paris. Et donc, pour fêter le 10e anniversaire de mon Kato Matou, en fait, j'ai organisé une visite guidée à Paris pour montrer différents endroits à Paris, par exemple, où les chats sont sur les façades, représentés sur les façades. Et je raconte les histoires en fait des chats parisiens. Je sais pas, les chats au Moyen Âge, le chat qui est parti dans l'espace dans les années 60 en fait. Les Français ont envoyé le chat, une chatte en fait, dans l'espace où le chat le plus connu aujourd'hui c'est Choupette de Karl Lagerfeld. Donc en fait, comme j'ai pas de Et je donc, peux pas vous parlez de chats vivants, donc je m'intéresse aux chats. Léna, vos chats voyagent. Vos chats voyagent aussi. D'accord. C'est un peu comme, je repensais au film Amélie Poulain, où il y a les nains de jardin qui se promènent. Et quand ils se promènent, ils font une photo d'eux-mêmes et ils les envoient. Et donc, j'imaginais comme ça les chats en train de parcourir le monde. Je fais. En fait, ce personnage, c'est une sorte de alter ego, mon alter ego dans le. Dans ce monde imaginaire. Et effectivement, moi, j'aime beaucoup voyager, donc je le fais voyager. Et aussi, je fais beaucoup de pastiches d'œuvres d'art connues, plutôt des modernistes, parce que c'est plus facile, en fait. Parce que mon style, le style que j'ai choisi, en fait, il est simple, graphique et coloré. Donc, c'est plutôt les modernistes. Et en ce qui concerne les voyages, effectivement, une fois, en fait, j'ai découpé le petit chat, donc mon personnage, en papier, et mes amis ont fait les photos en Ukraine, en France, dans d'autres pays, en fait, on a fait une sorte de comment dire ça, flash mob, en fait, avec mon personnage.
D'accord. J'ai l'impression qu'ils s'appellent tous Olena. C'est-à-dire? Ben, qu'ils vous ressemblent. Pas possible, parce que je suis la créatrice, donc évidemment, je mets un petit peu de moi dans Des ce Olena personnage. avec mille et une facettes. Possible, oui. C'est Olena qui voyage, c'est Olena qui dessine. Ben oui, effectivement, il faut trouver l'inspiration quelque part. Donc, moi, je trouve l'inspiration dans les voyages. J'aime créer des séries. Donc, il y a les séries, j'ai fait une série noir et blanc, s'appelle Le Tour du Monde de Katomato. Donc, j'ai dessiné les immeubles les plus hauts de la planète, en fait, incorporé mon personnage dedans. Et il y a effectivement une série de villes. Avec, vous savez, toutes les symboliques d'une ville, par exemple, Kiev, New York, Lviv, Paris, Londres, D'accord. Berlin. Hmm? En fait, il y avait d'autres, il y avait des costumes du monde aussi, donc avec mon personnage. Et bien évidemment, la série ukrainienne, où voilà, je m'amuse à l'habiller, à le D'accord. transformer. Et vous êtes allé dans toutes ces villes ou pas? Oui, tout à fait. Bah, D'accord. j'ai. OK. Et je dessine pas ce que j'ai pas vu en fait, même si je peux tout trouver D'accord. sur Internet. Bon, à part quelques tours en Asie où je suis pas allée, mais sinon, moi-même, j'ai avec mes enfants, on a monté sur Burj Khalifa. Donc, pour l'instant, c'est encore le gratte-ciel le plus haut du monde. Bon, il sera surpassé, je pense, dans les années à venir, mais c'était assez D'accord. impressionnant. Et ça m'a donné une idée de faire une série de dessins, en fait. D'accord. Alors, ça fait quoi? 12 ans, 15 ans que vous dessinez des chats? C'est ça? 12 ans? 11, 11, depuis 11 ans, 2009. 11 ans. Ouais. Alors, quand on dessine des chats pendant 11 ans, est-ce qu'à un moment, ce n'est pas les chats qui vous dessinent? Est-ce qu'on n'est pas, pas prisonnier, mais est-ce qu'on ne devient pas un chat quelque part? Comment ça se passe? Parce Non, que mais à force de je fais cohabiter autre avec. chose, je fais aussi autre chose parallèlement, c'est-à-dire que je dessine pas que de chats, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu mon personnage principal. Là, en ce moment, j'essaye de diversifier mon travail, donc faire autre chose, parce que j'ai besoin du renouveau aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, au bout d'un moment, peut-être il faut faire une pause ou chercher notre moyen de le faire vivre. Peut-être il pourra devenir le personnage d'un livre. C'est en tout cas c'était mon rêve depuis quelques années. Pour, en fait, faire un. J'avais plusieurs. J'ai déjà dessiné un livre. Ça s'appelle. En fait, le chat. J'ai le chat à Londres et à Paris. Donc j'ai comparé deux villes grâce à mon personnage. Parce que j'ai vécu dans ces deux villes suffisamment longtemps pour pouvoir les comparer. Par contre. Je pense qu'il faut que je rajoute, c'était son texte, hein. Donc il faut que je rajoute le texte pour que ça soit un projet un peu plus accompli. D'accord. Et j'aimerais bien peut-être trouver un éditeur. Okay. Ce n'est pas les idées qui manquent, mais comme je suis seule, ce n'est pas toujours facile en fait de faire aboutir les projets. Parce que. Bon, j'ai fait les dessins, j'ai organisé les expositions, j'ai fait des cartes de vœux, cartes postales, des magnets, des mags. Enfin, j'ai essayé beaucoup de supports, des marque-pages, des sacs en tissu, des t-shirts Des avec mon broches pour les personnage. cheveux. Ouais, non, pas pour le chou, mais je fais des Parce broches, que ça m'irait effectivement. bien finalement ici, là, Ouais. pour les tenir. Non, mais donc en fait, mais cette année, vous savez, bon, moi, il n'y avait pas possibilité de faire des expositions, c'était un peu Ouais. l'année morte. Mais si tout se passe bien, bah, l'année prochaine, j'espère exposer à nouveau. Voilà. Mais il faut une nouvelle inspiration. Très bien. Et les partenaires aussi, parce que bon, il faut pouvoir sortir un peu du cadre. J'aime pas rester toute seule en fait face à mon personnage, donc j'aimerais bien le faire évoluer et trouver des partenaires pour pouvoir oui, faire autre chose aussi avec ce personnage. Il a déjà un capital de sympathie en fait qui s'est créé depuis ses 10 ans, donc voilà, j'aimerais bien l'utiliser ce capital. Alors, ça fait une demi-heure que nous sommes ensemble. On avait dit qu'on pourrait passer un moment aussi avec
les personnes qui nous écoutent, qui ont des questions à vous poser. Et donc, je propose qu'on ouvre. Marc-Yan, si tu nous entends, si tu es là, est-ce que tu veux faire l'intermédiaire avec les questions qui sont posées? Écoutez, je suis un peu déçu, donc il n'y a pas de questions vraiment, pas de il y a des commentaires. Donc, un des commentaires, c'était de Konstantin Tchadov qui a dit que le chat de Schrödinger, c'est le plus connu. Mais pas sûr qu'il est vivant ou pas. Le chat ou le Schrödinger? Ouais, c'est le chat. C'est le chat. Voilà. Donc, il y avait aussi un commentaire de la part de Yarina Simko-Lakazidieu. Elena, il semble que la bataille pour le Borch a été récemment gagnée grâce au chef Yevhen Kropotenko. En matière de Borch, les batailles ne sont jamais gagnées. Elles continuent en permanence. D'ailleurs, on va faire un concours de Borch à Lyon bientôt. Mais je voudrais encourager nos spectateurs de faire des commentaires comme par exemple celle de le pauvre Favier, mais en posant des questions ou observations, comme ça si vous venez de la région lyonnaise, vous aurez la chance de gagner une des cartes postales et je me permets de montrer ces beaux cartes postales que Olena a réalisées et qui concernent la tradition de Noël ukrainien. Voilà, donc voici les cartes. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc voici ces trois cartes. Si tu veux, Olena, tu peux un peu parler de ces cartes. Et parler de Noël aussi, parler des les chats, les cartes, Noël, est-ce qu'on peut... Ben voilà, les cartes sont là, oui, effectivement. En fait, à l'esprit, justement, après Maïdan, la vie ukrainienne s'est très activée, disons, à Paris. Il y avait... Bon, j'étais parmi les organisateurs de marché de Noël et je me suis dit que ce sera bien d'avoir des cartes. Et je me suis inspirée des images traditionnelles, en fait. Parce qu'en France, vous savez, les traditions sont différentes. Et puis en plus... Le Noël ukrainien, il garde encore un peu la magie. On doit préparer les 12 plats. Il y a encore des rituels que les gens continuent à perpétuer. C'est quand même une fête religieuse. Mais il faut dire que moi, étant née à l'époque soviétique et dans la capitale de l'Ukraine, dans un milieu plutôt russophone, parce qu'en fait, j'allais à l'école russe d'abord, et mes parents n'étaient pas à l'époque religieux. Ils fêtaient Noël religieusement, en tout cas, à Kiev, on ne faisait pas ça vraiment. Je pense que l'Ukraine de l'Ouest a gardé beaucoup plus de traditions. Alors que moi, je me sentais par moments assez déracinée, tout simplement parce que dans ma famille, il n'y avait rien. Quoi. Il y avait, c'était Noël, pas Noël, Nouvel An à la soviétique. Et donc, créer ces cartes, c'était un moyen pour moi, personnel, en fait, de me rapprocher de mes racines, de les retrouver, en fait, de ressentir la magie de Noël. Et aussi, si vous voulez reprendre les couleurs de l'Ukraine, c'est une fête familiale qui a encore de l'importance. En tout cas, il y a une nouvelle vague de les Ukrainiens essayent de retrouver leurs traditions. Religieuse ou pas, en fait, et peut-être se sentir à nouveau, vous savez, unis, en fait, autour de quelque chose. Et Noël, c'est un moment où on se réunit en famille, mais aussi,
on ressent ce sentiment d'appartenance en fait à l'Ukraine, parce que l'époque soviétique en fait c'était quelque chose d'aseptisé, si je peux pas, je sais pas comment je vais essayer d'expliquer ce sentiment, ça nous a déraciné en fait. Le but de créer les soviétiques, c'est que on oublie nos traditions, qu'on soit vraiment amorphe, vous savez. Lessivé, c'est comme la lessive. Tout à fait, voilà. Lessivé. Tout à fait, donc qu'on est coupé de nos ancêtres, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que mes parents, eux-mêmes, ils sont partis de chez eux, donc ils ont fait des études à Kiev très jeunes. Et du coup, dans leur famille, dans notre famille, eh ben, ils n'ont pas apporté des traditions. Et moi, je sens le vide, j'ai ressenti le vide et, par rapport à ça. Et donc, c'était pour moi le moyen de, voilà, de me retrouver, de retrouver mes racines. Et même si c'est un peu, je tourne en dérision quand même un petit peu, c'est-à-dire que bon, représenter les chats dans une scène un peu religieuse, quelqu'un peut penser que bon, c'est un peu le sacrilège, mais non, en fait. C'est que ce qui est important aujourd'hui en Ukraine, c'est qu'on s'est réapproprié nos propres traditions. On les modernise. Olena, il y a une question, donc, en fait, une question moi, de oui, Frédéric. Ouais. Y a-t-il une symbolique oui, particulière du chat en Ukraine? J'ai vu de nombreuses sculptures de chats lors de mes voyages. Et je continue. Je crois savoir qu'il y a un aussi des traditions liées au chat. Oui, pardon, je faire rentrer un chat en première porte-bonheur dans une nouvelle maison, tirer l'oreille en formulant un vœu, etc. De Sonia. Frédéric, est-ce que vous pouvez m'écrire, hein, parce que j'entends mal la dernière question. Est-ce que tu m'entends bien la question sur le symbolique de chat en Ukraine. Y a-t-il une symbolique particulière du chat en Ukraine? Bon, en fait... Bon, le chat n'est pas extrêmement présent dans le folklore, mais par exemple, il y a le conte de fées qui s'appelle Pan Kotski. J'ai même écrit un petit blog en anglais concernant ce Pan Kotski. Donc, c'est un personnage, en fait, on ne peut pas dire que c'est un personnage très futé, en fait, mais il est très connu, ce Pan Kotski. Je ne sais pas si je peux raconter un peu. C'est un vieux chat... que son propriétaire, en fait, ben, il ne voulait pas garder, il le laissait dans la forêt mourir, hein, en fait. Mais il y avait une renarde qu'il a retrouvée et qui a décidé, elle, en fait, que ce chat va devenir son mari. Et en fait, c'est elle qui l'embarque, en fait, dans une nouvelle aventure. Lui, il est plutôt passif dans l'histoire. Il s'adapte en fait aux nouvelles conditions de sa vie, et voilà, ce chat, il est choyé, il est nourri, voilà, il est pas mort de faim et de froid, tout seul dans la forêt. Mais ensuite, en fait, c'est une renarde qui décide de tout, qui le présente à d'autres animaux de la forêt, et explique que voilà, c'est un chat féroce, mon mari, donc il faut avoir peur de lui. Et en fait, il y a c'est d'autres animaux, c'est un ours, un sanglier, un lapin. Effectivement, ils les invitent tous les deux justement à déjeuner avec Borsch pour savoir à quel point elle est vraiment féroce. Et il y a des quiproquos en fait pendant ce déjeuner. Voilà, donc. C'est un conte de fées assez drôle, mais le chat, en tant que tel, je ne peux pas dire qu'il est très, très présent dans le folklore. Alors, Sonia nous dit qu'il y aurait une tradition en Ukraine qui est de faire rentrer un chat en premier dans une maison, et donc ça serait la porte du bonheur dans une nouvelle maison. C'est possible, mais bon, en fait, en Ukraine, il y a tellement de petits trucs, des superstitions qui, en plus... dans chaque région, c'est différent. Moi, donc, par exemple, dans la région, mes grands-parents sont de l'Ukraine centrale. Je n'ai pas vraiment entendu ça, mais peut-être c'est juste qu'on ne m'a pas raconté. Oui, forcément, il y a une tradition autour des chats. D'accord. Parce que le chat, l'Ukraine, c'est un pays agricole. Donc, forcément, il y a des chats qui travaillent, en fait, pour chasser les rongeurs. Mais. Dans le folklore ukrainien, voilà, le chat, ce n'est pas, c'est un animal utile. Hein. C'est pas un animal
des compagnies, en fait. C'est récent, l'animal des compagnies. Olena Santino nous dit qu'il y a une place particulière du chat dans la culture en Ukraine, notamment dans la littérature, et il nous renvoie à Kourkov et son roman « Laitier de nuit ». Ben, disons que enfin, Kourkov, c'est d'aujourd'hui, c'est pas tellement de... on peut pas dire que c'est, ce qu'il écrit, c'est traditionnel ukrainien, hein. Enfin, donc c'est la culture d'aujourd'hui. C'est une tradition qui est en train de se fabriquer aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un animal de compagnie, je pense, avec les chiens, c'est très très populaire, hein, effectivement, quasiment tous mes amis ont des chats. Ou des chiens, même plus de chats. Mais comme j'ai pas moi-même, en fait, moi j'ai cherché la formation sur les chats en Ukraine, mais mon intérêt principal c'était plutôt en France et à Paris plus particulièrement. Donc j'ai pas vraiment fait la comparaison. Donc je connais un petit peu le folklore, mais je peux pas dire que je suis spécialiste. Des chats en Ukraine, ouais. Je reviens sur le thème de Noël. Kostion nous dit, Kostion qui arrive de Kharkiv, nous dit que la tradition de Noël s'était un peu effacée en Ukraine. On l'a vu tout à l'heure avec l'emprise soviétique, mais que ça revient maintenant et que les jeunes de plus en plus s'approprient leurs racines et que la fête de Noël commence à revenir un peu en avant. J'ai l'impression aussi que dans le monde, c'est un des événements de l'année qui est le plus souhaité, sous des formes différentes. Elles peuvent être en dehors de la religion, mais que la trêve de Noël est quand même quelque chose qui est largement partagé par l'humanité, sans forcément de référence catholique ou autre. Ce que je viens de dire, effectivement, c'est que le Noël revient, mais moi, personnellement, je suis agnostique. Je suis pas religieuse, hein, en tant que quelqu'un qui... Donc, pour moi, cette fête, c'est plus autour de la culture, vous savez, d'appartenance, par sentiment religieux, voilà. Alors que c'est profondément religieux, vous voyez. Tout à fait. Donc, Olena, qu'on peut revenir sur le... Ouais. Markian, est-ce que tu peux remettre à l'écran les cartes postales? Et je vais demander à Olena d'en prendre sur les trois, d'en choisir une et de nous décrire qu'est-ce qu'elle a... Si tu peux les mettre en grand format, s'il te plaît. Mais en fait, il y a deux cartes qui se ressemblent. C'est juste, la même chose que j'ai représentée différemment, juste un style différent. Donc, il y a Vertep. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être à Lviv. Mais à Kiev, quand j'étais encore à Kiev, je suis partie quand même en 99, il n'y avait pas encore Vertep dans les rues. Hein. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être il y en a. C'est Markian pourrait peut-être dire beaucoup plus parce que Lviv, par exemple, enfin l'Ukraine de l'Ouest, ils ont beaucoup de chance déjà à rejoindre l'Union soviétique uniquement en 1939, donc ils n'ont pas subi le même traitement et les mêmes répressions, la famine et tout ça. Fort heureusement, ils se sont échappés, quoi. Et donc ils ont pu y garder et la langue et la tradition. Mieux que, en tout cas, mieux que dans la région, de ma région, en fait. Oui, c'est plus la tradition que je voudrais retrouver. Donc, Vertep, il y a plusieurs personnages, vous savez, chaque personnage a son rôle. Donc, en fait, il y a une étoile, vous savez, il y a des personnages, il y a une chèvre, il y a un diable, il y a un ange, il y a un gitan, bon aujourd'hui, il y a un roi. Donc en fait, c'est les personnages de Vertep, c'est aussi, une sorte de théâtre, si je peux dire ça, c'est ou des marionnettes en fait, qu'on joue autour de Noël. Et moi, je voulais représenter ces personnages parce que pour moi, en fait, ils symbolisent Noël ukrainien. Et troisième carte, là, c'est effectivement ce repas, fameux repas avec 12 plats. J'ai représenté, en fait, sur le mur, c'est les icônes, même si c'est un peu suggéré plus que,
Voilà, mais c'est une famille de chats, mais bon, évidemment, c'est une famille traditionnelle ukrainienne qui fête, c'est la veille, c'est le 20, comme en France, c'est le 24, donc c'est la veille, le 6 janvier. Donc, on ne mange pas de viande ce soir-là. Il y a varenne qui, il y a en fait d'autres plats. Ben c'est comme des sortes de raviolis en fait. Ça Voilà, existe mais dans qui plusieurs peuvent être, cultures, hein. Ouais. voilà, qui peuvent être agrémentés avec toutes sortes de façons. Il n'y a pas Oui, il y a une salé et seule. sucré. Voilà. Voilà. Donc notre particularité, par exemple, c'est varenne sucré. Mais ça, c'est plutôt en été, parce qu'il faut le faire avec comment dire, on fait avec des fraises, par exemple, ben c'est les fraises des saisons, ou de cerises, je sais pas, c'est pas griotte, oui, griotte, c'est-à-dire qu'ils sont pas très sucrés, ils sont plutôt Un petit peu acide, les acides, oui, ils sont griottes, bien acides, voilà, légèrement. tout à fait. Et donc on fait peut-être avec. Mais c'est sucré, mais c'est vraiment le plat d'été. Tandis qu'en hiver, bah oui, on peut mettre beaucoup de choses dedans. On peut la purée des pommes de terre, la choucroute, le foie, enfin, c'est Ce qu'on la veut, viande, ce ouais, ce qu'on qu'on veut. veut. Donc c'est vrai que avec borscht, c'est notre plat traditionnel aussi, même si évidemment dans beaucoup beaucoup de cultures il y a ce sort de ravioli, mais je pense que c'est un peu normal parce que c'est la culture du blé. Donc, tous ceux qui mangent du blé, on fait en Chine, en Caucase, partout. En fait, c'est un plat simple à faire. En Chine, il y a les soupes wontong avec Oui, un tout à peu la fait. même Donc, on peut pas, formule. là, on ne peut pas dire que c'est une exclusivité ukrainienne, mais on a notre façon à faire. Voilà. Voilà, donc je pense que chaque culture s'est approprié ce plat à leur façon. Et donc, comme ça, on peut se dire, bon, ben, c'est le nôtre. Mais bon, il faut être historien de la gastronomie pour vous en dire plus. Mais voilà, je suis Très bien. juste comme. Oléna, le temps passe, on avait dit trois Ouais. quarts d'heure, on les a un petit peu dépassés. Et alors, les Katumatu, est-ce que c'est une signification particulière? Quand Ou je c'est juste. cherchais, non, en fait, quand je cherchais le nom pour mon personnage, j'ai demandé à mes amis. Et il y a une amie qui m'a proposé, en fait, parce que Matou, c'est un chat en En français France, aussi. Et ouais. donc, chat, en ukrainien, c'est kit, en anglais, c'est cat. Donc, Katou, en fait, c'est aussi une Voilà. sorte de variation autour de ça. Multiculturel. Voilà. Et donc, et puis, je me suis dit, Katou, Matou, ça sent bien. Et c'est comme ça que ce nom a été créé, en fait, mais grâce à l'inspiration aussi de mes amis, voilà, à leur aide. Est-ce qu'il y a des gens qui ont baptisé leurs enfants Katoumatou? Non, je pense pas quand même. Au moins comme surnom. Comme surnom. Je sais pas, Voilà. j'ai pas ma connaissance, mais bon, Bon, pourquoi alors. pas. Oléna, ma première question c'était d'où venez-vous, où êtes-vous et où allez-vous? Et donc la dernière question c'est Oléna, dans quelques années, où serez-vous? Où seront les Katumatu? Ben, je pense que je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire que j'aime bien être une sorte de lien entre mon pays, l'Ukraine et la France. Déjà, mes enfants sont moitié voilà, ukrainiens, moitié français, et j'espère pouvoir écrire et illustrer des livres. J'espère peut-être que Katumatu aura voilà, un nouvel élan et je verrai, vous savez, toutes sortes de produits dérivés. Je pensais en fait depuis longtemps de créer une sorte de marque, mais voilà, si vous êtes inspiré par mon chat et vous voulez être partenaire avec moi pour voilà, créer une marque internationale, bah, je suis partante. D'accord. Et puis voilà, donc je vais continuer bien évidemment de travailler sur mes balades sur Paris, donc c'est l'histoire de Paris, l'art et la littérature. Donc parce que avec ma collègue, on est bien lancé. 5 ans, c'est déjà pas mal pour un projet. Donc nous allons continuer. Marquant, est-ce que Donc tu si vous pourras voulez nous... venir à Paris, voilà, Ouais, si vous voulez venir à d'accord. Paris.
Et justement, et vous voulez savoir... Marquion, tu peux nous mettre en bas d'écran les éléments pour qu'on puisse rester en contact avec et visiter les Katumatu par Internet ou en direct si on passe à Paris. C'est possible ou pas de nous mettre ça? En fait, il vaut mieux peut-être m'écrire sur Facebook directement sur, sur ma page. Alors, le moyen le plus simple de communiquer. Alors, sur Facebook, l'adresse, c'est Olena ou Katumatu? J'ai une page Katumatu, mais je préfère peut-être parler à mon nom. Donc, c'est Olena Yashchuk Kode. Il faudra écrire comment ça s'écrit en fait. Yashchuk. Oui, Kode, c'est O-D-U-T. Voilà, il y a par Messenger, c'est le moyen le plus simple de communiquer avec moi. Très bien. Et si vous voulez venir à Paris ou en Bretagne, justement, sur les navigateurs de recherche, on met Katumatu et c'est assez probable qu'on finisse par y arriver quand même. Oui, tout à fait. Il y a aussi la page Katumatu, il y a même la page Instagram, mais il faut que je développe encore plus, en fait. Et la page et Instagram aussi. Merci Jean-François pour cette conversation. Avant de finir, j'aimerais demander à Olena de nous parler un peu aussi de son calendrier 2021, parce que je trouve que pendant la période de Noël, c'est aussi utile. Donc, peux-tu nous montrer Je peux montrer, effectivement. Oui, voilà. C'est quatrième édition de calendrier. C'est ici, si vous voyez, ce sont... les costumes traditionnels de différentes régions de l'Ukraine. Donc, le chat est habillé, par exemple, il y a les régions d'Odessa, les régions Podil, il y a différentes régions en fait, de l'Ukraine. J'ai choisi quelque chose qui m'a marqué le plus, hein, parce qu'ils sont très jolis. Donc, il y a 6 costumes féminins, 6 costumes masculins, c'est important, en fait, la balance. Des genres, je vais montrer par exemple, il y a un costume, et il y a tout type de costumes, soit c'est les costumes qu'on porte pour le mariage, c'est pour ça ils sont très très jolis et très festifs, ça c'est la couronne du mariage, et il y a des costumes qui sont portés par des femmes mariées, ils ont marié. Donc la différence c'est que, ça c'est une femme mariée, parce qu'une fois la femme est mariée, elle doit couvrir ses cheveux. Enfin, pas aujourd'hui, mais avant, c'était comme ça. Donc, vous pouvez même retrouver quelques traditions ukrainiennes. Mon premier calendrier, donc, il y a 4 ans, donc 2016, je fais aussi une série de costumes. J'ai choisi les personnages historiques, 6 femmes, 6 hommes, les 6 hetmans et 6 femmes... qui ont marqué l'histoire de l'Ukraine, mais c'est plutôt de l'ère des Cosaques, donc c'est 16e, 17e siècle. Donc ça, c'était en 2020, c'était le calendrier de 2020. C'était 2019. Pour 2021. Et 2020, c'était les avant-gardes ukrainiennes. En France, on connaît surtout l'avant-garde russe, mais si on regarde... qui fait partie de l'avant-garde russe, vous verrez énormément d'artistes qui sont ukrainiens, en fait. Et aujourd'hui, on doit se battre pour que l'avant-garde ukrainienne soit reconnue en tant que telle, que ce ne soit pas que des Russes. Par exemple, ici, c'est le mois de décembre, je représente Sonia Delaunay. Bon, Sonia Delaunay, elle est née... Oui, tout à fait. Il est né près d'Odessa, dans une famille juive. Ensuite, elle est partie à Saint-Pétersbourg et elle a vécu la plupart de sa vie en France, à Paris. Mais quand on voit ses couleurs, quand on voit sa façon de peindre, en fait, on peut reconnaître les traditions ukrainiennes. Donc, je pense qu'elle a, dans son enfance, effectivement, il s'est imprégné en fait de ses traditions et il est parti avec. Et puis voilà, je choisis donc, ça c'est la couverture. C'était donc les différents artistes. Pas tous avant-garde, par exemple, il y a Maria Primachenko qui a vécu plus tard, mais aussi il y a Alexandra Exter, il y a Sofia Levitska, il y a Georgi Narbut, il y a aussi Kazimir Malevich qui.
qui est considéré encore une Russe, comme un Russe, alors que c'est un Polonais qui est né à Kiev comme moi. Donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas uniquement juste représenter ces images, c'est aussi d'expliquer en français aux Ukrainiens, ben voilà, c'est ça notre culture, et revendiquer l'héritage culturel ukrainien. Donc pour 2021, c'est le calendrier avec les costumes traditionnels. Oui, à nouveau, je suis revenue vers les costumes parce qu'en fait, c'est très joli tout simplement. C'est très coloré. Je vous montrer voilà, encore une fois, s'il te plaît, parce que c'était très vite. Oui, tout à fait. Juste montre-nous. Oui. Donc je choisis les couleurs très, très vives. Hein. C'est mon parti pris artistique, si je peux dire ça. Les couleurs contrastées parce qu'en fait, je voudrais apporter la joie de vivre, hein. Donc, surtout l'hiver, c'est pour mon rose. Donc du coup, si vous avez ce calendrier, bah, tous les mois, vous voyez, il y a des couleurs, il y a les costumes, voilà, il y a la bonne humeur. Hein. Donc c'est un peu ça mon but, c'est d'apporter un peu de joie, parce que dans les costumes ukrainiens, il y a ça en fait. Comme c'est des costumes souvent pour la fête, pour le mariage. Donc, ça doit être normalement le jour le plus heureux de la vie. Donc, ça, c'est par exemple le costume d'homme. Voilà, il est très beau aussi. C'est aussi le costume de mariage. Voilà, donc c'est ça un peu le but, c'est d'égayer le quotidien. Voilà, donc je remercie Olena. Bon, je ne sais pas pourquoi on ne voit plus Jean-Paul. Bon, merci de m'avoir invité. C'était une conversation très intéressante. Et donc, je voudrais aussi souhaiter à tout le monde à Lyon et à Paris un joyeux Noël, voilà, de la bonne humeur et meilleurs vœux pour une nouvelle année 2021. Nous espérons tous qu'ils seront bien meilleurs que celle-là. Mais bon, restez en bonne santé et bonne humeur. Merci Olena. Je te souhaite que ton projet continue parce que je le trouve très, merci beaucoup. Très utile pour que les Français connaissent l'Ukraine au mieux et comment dire, c'est une forme qui est légère à digérer. Donc, oui, effectivement, c'est un peu le but, oui, c'est de faciliter la compréhension en fait. Une touche d'humour, elle aide beaucoup en fait, interpelle. Donc c'est ça en fait, c'est un peu l'autodérision, le détournement de code. Donc ce que j'aime en fait, c'est, je pense que c'est, oui, ça. Il faut avoir de l'humour voilà, pour voilà. Faire passer le message. Merci beaucoup, Olena. Et merci pour ton carton mato. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Et puis, bah, à bientôt. Oui. À bientôt. Voilà, donc je vous remercie aussi pour votre participation dans cette émission. Malheureusement, on a perdu Jean-François. Mais je remercie Jean-François Beau, membre du conseil d'administration de Lyon Ukraine, d'avoir animé cette conversation avec l'artiste Olena Yashchuk-Kode, la créatrice de fameux Katumatu, le chat multiculturel qui fait connaître, entre autres aussi, la culture ukrainienne en France. Et maintenant à Lyon, donc n'hésitez pas à commander des cartes postales avec Katumatu. Voilà, je les montre encore une fois. Voilà, donc je vous souhaite les bonnes fêtes de fin d'année. Je m'appelle Markian Peritatko, ça c'est l'association Lyon-Ukraine. Restons ensemble en 2021. Au revoir.